qu'il y avait environ 400 personnes migrantes, 300 dans le gymnase et une petite centaine à l'extérieur. Et ces personnes aujourd'hui sont toutes orientées vers des centres d'accueil et d'hébergement dans les Hauts-de-France, pour l'essentiel. Dans l'esprit de ce qu'avait déclaré le président de la République, c'est-à-dire personne contraint de dormir dehors, ces personnes ont été mises à l'abri dans ce gymnase. Aujourd'hui, les conditions climatiques ne justifient plus.